Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 17ème épisode de Let's Play sur Pokémon Quest. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'avancer encore un peu, mais il faudra XP. Premièrement, donc, on va voir ce qu'on a comme Pokémon gratuit. Un Coquillasse. Un Coquillasse 36, ok. Allons voir si c'est mieux ou moins bien. On avait un 41. On a un 36. Bon, ben, on va faire XP le 41 avec le 36. Hein. Enfin, quoique, il faut aller regarder les capacités. Alors, c'est Laser Glass. Et toi, tu as... laser glace et... Ouais. Autant prendre seulement le laser glace. Voilà. Et donc... on veut pas changer. Voilà, très bien. Il montera de niveau. Alors, commencer. Oui. Parfait. Coquillasse évolue. Voilà, Cristabri. Et qui a l'air pas mal. Au niveau stats. 805-481. Donc il y a 1200 de base. Ah, c'est sympa. Peut-être qu'on va l'essayer. Alors en attendant, eh bien... On va voir un peu où on en était. Alors, on aimerait bien faire XP Kadabra pour qu'il devienne à la Kazam. Il en est à quoi? Il en est proche. Bon, on va d'abord le faire XP. Donc, pour cela, on va venir ici, faire le 8400. Et on est parti. Alors en automatique c'est très bien. Parfait, alors... Ah oui, c'est un Levenard. Très bien, allez, allez. Non, normalement pas de problème. Hein. Bref, voilà. Bien Kadabra de te téléporter, mais quand on t'attaque pas, ça sert à rien. Hein. Voilà, maintenant que t'es entouré, tu aurais pu, mais... Maintenant, c'est trop tard. Alors, on a Grolem qui est empoisonné, mais ça, c'est pas très grave. Allez, on va battre l'Excellangue. Ça tue en moins, un deuxième que ça tue en moins. Il n'y a plus qu'à. Voilà, là tu as bien fait d'esquiver parce que t'étais au corps à corps et c'était pas bon.
Oui, je sais, je leur parle malgré qu'ils ne m'écoutent pas, hein, ils savent pas, c'est... Et je le sais très bien, mais... Parfois, j'aimerais bien qu'ils m'écoutent à la voix. Alors, tu fuis, là. Tu fuis. Allez. Ouais, bah voilà. Là, il aurait dû se téléporter, il l'a pas fait. Bon, l'intelligence artificielle n'est pas très développée, hein, d'après ce que je vois. Et quand je parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment le... les algorithmes qui font qu'ils disent tel ou tel truc. Là, c'est vraiment de l'aléatoire, j'ai l'impression. Allez, téléporte-toi, là. Non, tu pouvais pas. Voilà, téléporte-toi. Non. Bien sûr, t'as utilisé la rafale psy dans le vent, hein. Bon, c'est pas grave, il y a une qui arrive. Voilà. Et on finit. Voilà. C'était compliqué, mais on y est arrivé. Très bien. Allez, Kadabra. Pas encore. Jolie gemme dorée. On va poser tout de suite. Hein. Alors, on supprime. Voilà, et on pose. Voilà, très bien. Onyx, il va monter aussi un peu. Voilà. Et donc, Kadabra. Très bien. Ok, sans plus attendre, on retente. Kadabra devrait évoluer en Alakazam à la fin de ce... la fin de cette quête. Les rafales psy fassent beaucoup de dégâts. Je sais pas si c'est à cause du niveau de Kadabra, mais alors voilà, Xelang. C'est bien, ils éliminent les petits. Grelem est parti avec ses langues. Parfait, ça c'était une belle rafale psy. What?
Allez, allez, allez. Il y a moyen de l'éliminer sans qu'il y ait un problème. C'est bon. Ok. Allez, Kadabra. On a la Kazam. Voilà, c'est super. Voilà, j'aime très très moyenne, voire nulle, mais c'est pas grave. On a un nouveau Pokémon qui va arriver avec la marmite. Alors, Rochette grillée 3D, nouveau plat, super. Et en plus, 2 étoiles, donc ce sera un Pokémon. Ah ben, un Onyx. Mais un Onyx au niveau, non? Ah non, 10. Alors, qu'est-ce qu'il a? Un jet de pierre. Et ton brush. Ah, c'est sympa. Ouais, on va refaire un petit alors. Cuisiner, oui. Voilà, peut-être une nouvelle recette. Tiens, il faut aller voir les objectifs, ça fait longtemps. Rien de plus ici. Et là, cuistot 3D. Et amateur de recettes. Ok. C'est l'équipe que je dois regarder. C'est Onyx à 36. On a un Onyx 10. Bon, j'imagine que ça ne va pas donner. Oui, en plus il vient de passer de niveau, donc ça va pas donner de niveau supplémentaire si je fais XP avec Onyx 10. Mais là, il y a 100% de chance que je change de, capacité. On va d'abord virer la gemme jaune. Alors, Onyx. Parce qu'ici, en fait, tempête de sable, c'est sympa, mais hurlement... Ouais, bon, bah voilà, quoi. Donc, on va essayer de changer les capacités. Et en avoir une meilleure. Alors, notre Onyx 36, tu viens là. Notre Onyx 10, tu viens là. 100% de chance de changer. Commencez. Toucher la capacité que vous voulez changer. Ben ce serait le hurlement. Hein. Ah, Éclatroc. Ouh, joli. C'est un combat, ça. Ouais, on ne voit pas. Alors, Éclatroc. Ouais, c'est un combat. Bon, pourquoi pas. C'est plus sympa que le hurlement. Donc là, on va remettre le jaune là-dedans. On revient en arrière. Je me demande... Si je vire Grolem et que je mets Crustabri à la place, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on est à 7555. Alors, Grolem est là.
toujours à 7555 pour l'instant. Si je vire tout. Alors, de base, Grelem, on voit pas. Zut. Et on voit pas non plus. Bref, on va le voir comme ça. 5762. Ok, Crustabri. Ah, quand on reste appuyé. D'accord, on a... Ah, 6159. C'est quand même un peu mieux. Mais il y a une gemme de moins. Ah, quoi que non, même pas. Bon, ben on prend Crustabri. Voilà. Avec donc laser glace, on peut mettre un peu ce qu'on veut, sauf le bleu. Et voilà. On va tenter ça, hein. Ok, donc on retourne au combat. Alors, 8006. Ouais, on est à 9000 et quelques avec le bonus. On peut tenter. Alors, la sphère à petit et un... Sa tueur. C'est très bien, Crustabri et il est sympa. Ok, un petit pas Fantominus, c'est un Spectrum, voilà. Parce que c'était difficile à lire comme ça. Donc c'est un Spectrum avec des Fantominus. Petite gemme. Ouais, bah, pas de problème là. Parfait. Joli. Ok, donc là, on va voir pour le la gemme. Alors, Crustabri. Est-ce que tu peux avoir un peu mieux? Parfait. Onyx, tu pourras avoir le doré. Même pas. Bah donc à la Kazam, tu pourras avoir le doré.
On continue. Alors, à 9000, pour l'instant, j'ai quoi? J'ai quasi 8000, hein, à 4 près. Ça devrait être possible. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Un Fantominus. Et trois manides. Ok, un Magnéti. Attention au suicide. Non, c'est bon. Alors, un Voltorb, un Electrode. Encore des petits magnétiques et un Oceraptor. Un Seralto, pardon. Ok, donc Rhinocorne et Rhinophéros. Un Rhinocorne en moins. Allez, la putain, c'est ton jour de. Ça devrait passer. Crustabri ne prend pas trop de coups. Ok, ça passe. Ouais, 281, c'est assez faible. Hein. Même si c'est doré. Ok, puis la préparer. Bouillon 3D, rien du tout, pas d'étoile. Un colossinge. On en a déjà un. Yeah, ouais, il est sympa, mais trop bas niveau. Ok. Alors, nous avons un Ferro-Singe ici. Eh bien, on va le faire XP. Hein. Ou à moins qu'il n'ait pas de belles capacités. Allez. Je sais pas ce que c'est comme capacité, mais tant pis, on va le faire XP. Et c'est parti. Ok. Eh bien, on continue. On met un nouveau plat.
Voilà. Alors, voyons les bonus. Exercice, capacité. Tout à distance. Parfait. Alors, c'est bon pour la marmite, c'est bon pour nos Pokémon. On en est à 7996, toujours au niveau puissance. On va refaire le 9000. Tranquillement. Allez, allez. Ok, c'est parti. Le Seralto, bon bah il est encore en vie. Il est voilà. Très bien. Alors, électrode. On va le temps, pardon. Ok. Un deuxième en moins, il reste plus Rhino féroce. Tout ça c'est très bien. Allez, 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 on y va. Bon, ça devrait aller, hein, mais... Quand même, il y a... Bon, allez, laser glace qui passe... Ok, parfait. Très bien. C'est pas super, mais c'est déjà ça. Alors, on va une fois aller voir les gemmes. Ouais, c'est pas là. Est-ce qu'il y a des gemmes qu'on peut recycler? Oui, il y en a. Mais pas qu'un peu. Bon. Bah, poubelle. Excusez-moi de la petite du petit blanc qu'il y a eu. Je devais juste régler un petit quelque chose. Voilà.
Eh bien, on y va, hein, encore un combat. Et même encore deux combats. On retourne aux 9000 et c'est parti. Très bien. On y va. Allez, Nosferapti. Bon, bah, si à la Kazam peut bien s'en occuper, voilà. Et les magnétons. Magnéti, pardon. Magnéton, c'est. Magnétron. Non, c'est magnéton, il me semble. Pour l'évolution. Bref, on le saura bientôt, hein, une fois qu'on se tapera du magnétron ou magnéton. Parfait. Voilà. Ça va, c'est pas le de destruction. Tout va bien. Il fuit le Vénard, il fuit. Et il a réussi à fuir. Voilà. Encore un petit spectrum. Très bien. Avec un ingrédient artificiel. Enfin, je dis arc-en-ciel, mais c'est plus chromatique. Hein. Abri à terre. Ok. Onyx monte de niveau, très bien. Une gemme 299. Je pense que c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Et donc là, on est parti pour le dernier combat. On est à 7998 et plus 1245, ça ferait 8243. Non, pardon, 9243. Donc on repart sur les 9000. Non, on va essayer le 9005. Si ça passe, tant mieux. Il nous manque 300 pour être bien. Peut-être que la chance va être de notre côté, donc des otarias.
Allez, allez. Très bien, on gagne des ingrédients. Allez, allez. Venir à Molos, là. Non, c'est Flagados, pardon. Voilà, il reste plus que le boss. Et ça clique. Ok, un Otaria. Non, un Lamantine avec des Otaria. Ok, un intérieur en moins. Allez, 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 on y croit. Dommage, Crustabri n'arrive pas à geler l'ennemi. Allez, allez, on y croit. Parfait. Et donc là, ok, ok, ok. Ok, c'est bon, ben, on va s'arrêter là, donc je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire sur ce que vous pensez du jeu, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et surtout, eh bien, portez-vous bien, bye!